je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Le Seigneur est brillé la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fait briller la lumière de sa Et recevez.
Psaume 50. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, ta tendresse efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois, mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais quelle est la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, fais-moi un cœur pur. Restaure dans ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face. Ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies. À toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre ma lèvre, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille adorer à Sion et l'honneur, et le bâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice. On offrira des présents sur ton autel. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Ton sang se contre moi les méchants, pour dévorer ma chair. Ce sont tes lumières, Seigneur.
contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais, car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Et la grâce au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, le Seigneur, mon cri d'appel, pitié pour moi. De toi, mon cœur attire, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se sont levés de faux témoins qui souffrent la violence. Psaume 145. Affamés du pain.
le Seigneur et lit les enchaînés. Le Seigneur rend les aveugles voyants. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur. Dieu au Sion d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Qui me suit de rochera dans la nuit. Cantique d'Ézéchias, page 280. Je disais, je vais donc m'en aller au plein midi de mes jours, consigné aux portes des enfers pour le reste de mes ans. Je disais, comme une tente de berger. Comme un tisserand, je croisais le fil de ma vie, on me tranche la trempe. Dès le jour jusqu'à la nuit, tu m'achèves, je suis prostré jusqu'au matin. S'épuise à regarder là-haut, où mon maître soit mon garant. Dans les fleurs, comment parler que les dires, mais c'est lui qui agit. Je veux aller jusqu'au bout de mes années, par-delà la détresse. Oh mon maître, ce que mon cœur attend de toi, c'est la vie de mon esprit. Tu me guériras, me feras vivre, et voici, ma détresse sera bien-être. Et toi, tu me tiens, mon âme, devant la force du néant. Car tu as rejeté derrière toi tous mes péchés. Ils ne peuvent te rendre grâce, ni la mort te célébrer. Il n'y a plus pour qui descend dans la fosse, l'espérance en ta vérité. C'est le vivant qui te remplace, comme moi en ce jour. Le de Saint Irénée de Lyon au deuxième siècle, l'Eucharistie gage de la résurrection. Si la coupe
qui a été mélangé et le pain qui a été confectionné reçoivent la parole de Dieu et deviennent l'Eucharistie, c'est-à-dire le sang et le corps du Christ. Et si par ceci s'est fortifié et s'affermit la substance de notre chair, comment peut-on prétendre que la chair est incapable de recevoir le don de Dieu consistant dans la vie éternelle, alors qu'elle est nourrie du sang et du corps du Christ et qu'elle est membre de celui-ci, comme le dit le bienheureux apôtre dans son épître aux Éphésiens. Nous sommes les membres de son corps formés de sa chair et de ses os. Et de même que le bois de la vigne, après avoir été couché dans la terre, porte du fruit en son temps, et que le grain de froment, après être tombé en terre et s'y être dissous, ressurgit et multiplié par l'Esprit de Dieu qui soutient toutes choses. Ensuite, grâce au savoir-faire, ils viennent en l'usage des hommes, puis en recevant la parole de Dieu, ils deviennent l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. De même, nos corps, qui sont nourris par cette Eucharistie, après avoir été couchés dans la terre et s'y être dissous, ressusciteront en leur temps, lorsque le Verbe de Dieu les gratifiera de la résurrection pour la gloire de Dieu le Père, car il procurera l'immortalité à ce qui est mortel et gratifiera d'incorruptibilité ce qui est corruptible, parce que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Saint Dieu, tu es saint, fort, saint, immortel, conduis-nous.
celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Tu es saint, Dieu, tu es saint, roi, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même, que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. À l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. C'est bon, Julien, notre Père, la parole, ne nous donner qu'à franchir de la crainte. Petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Jésus dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, au les siècles des siècles.
pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu roi, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Qui nous rendra la beauté du premier jour, ô tu nous façonnas. En ces jours où nous accompagnons notre frère Pierre-Marie dans sa Pâque ultime, affermis, Père, la foi de tes enfants en la résurrection, et donne-nous d'être témoins de la bonne nouvelle du royaume. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, frère Pierre-Marie, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Lord.